Là, on s'arrête, il s'est un peu freeze parce que ça charge la zone. Mais ce qui est bien, c'est que quand je suis retourné, la zone elle s'est chargée beaucoup plus vite. Genre 10 fois plus vite, quoi. Genre là, on est arrivé, boum, ça serait déjà ouvert avec déjà tout l'intérieur. Donc là, en gros, là, je pense qu'il génère directement la zone. C'est pas déjà dégénéré avant. Voilà, on a le freeze. Donc voilà, là, il y a un tout généré. Par contre, là, faut faire gaffe parce qu'il peut en avoir qui sont juste ici en côté là. Par contre, je sais pas pourquoi ça lag là. Qu'est-ce que c'est la musique là qui s'emballe? J'en entends déjà, c'est sûr. Il y a toujours eu ventilateur, rien derrière. Par contre, je sais pas pourquoi ça lag. Peut-être que c'est pour ça qu'ils veulent en optimiser, peut-être encore. Il y a rien à gauche. À droite, il y a un truc, donc de toute façon, là, on est safe. J'en vois pas. Oh, en face, attendez. Dommage qu'on peut pas se mettre à une bonne. Oula, oula, pourquoi ça bug comme ça? C'est parce que c'est à cause de tous les ventilateurs qui tournent, c'est ça? On va les éteindre, hein. Si j'y arrive. Non. C'est beaucoup plus compliqué, là, s'il commence à avoir des lags. Ok, il y en a un qui est là, à droite, à gauche. C'est sûr. Y en a un beaucoup plus près qui doit être. J'entends un comme si qui était juste à côté là. Peut-être là. Oula, mais pourquoi ça peut comme ça là? Qu'est-ce qui se passe? Ok, non. Donc il est pas ici. Là on a un truc. Ok. Ok, donc là il y a rien. Il y a peut-être des coffres, mais bon, c'est pas très intéressant les coffres. On mange un petit coup. Donc on va continuer, hein. Et là on a une porte qui est cachée, donc c'est bon, on est safe. On voit pas du tout là. Quand j'en entends, ça c'est sûr. Ok, je pense qu'il n'y a rien là-dedans. C'est certainement là la suite. Toujours rien. Par contre, là, ça va être affreux de. Ouh là là, purée, pourquoi ça bug comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Sais pas pourquoi ça bug. En tout cas, ça bug. Pourtant, sur les autres niveaux, peut-être que ça cause tout ce scotch là. Je sais pas du tout si on peut l'enlever ou pas. Ouais, on peut l'enlever. Celui-là, on peut pas l'enlever. Par contre, ah si, c'est bon, on peut l'enlever. Donc c'était genre juste un niveau supérieur. Du coup, ton jeu là, et pour ça plus dur. Ok, là, il en aura. J'ai cru qu'il m'a vu, mais en fait, non, il m'a pas vu. Il était juste en train de bouger normalement. Là, on arrive à un truc où il n'y a rien en face. Par contre, sur le côté, il y a. Je pense que c'est peut-être encore un autre level. Parce que là si on voit. Ouh, les rouges, ouais, donc non. Ouh, ok, je me barre, je me tire, je me tire, je me tire. Je me tire, je me tire avec les lags comme ça, là, je me tire, je me tire. Purée, je sais pas combien il m'a vu, j'ai vu juste deux. Pourquoi je peux plus manger? Manger ça plutôt. J'ai vu moins 10 points de vie, mais je pense pas que ça m'a enlevé 10 points de vie. Ok, donc là c'est définitivement le dernier niveau. Là, il y en avait deux là. J'en ai dégommé un, je pense. Ouh, regardez-moi ce trou, qu'est-ce qu'il a fait? Après, je pense que c'est peut-être comme ça qu'on peut obtenir le. Tu le. Purée. Ah. Les lags. C'est peut-être comme ça que. Et puis. Ouais, mais comment tu fais pour l'avoir aussi le component kit qui est en dessous? Parce que d'accord, tu peux aller en dessous. En explosant. Mais après, comment tu le récupères? Surtout qu'on peut rien. Parce qu'on peut rien récupérer. Il y a du sol, du.
Ouais, c'est bien le dernier niveau, ouais. Purée, là, il y en a trois, là. Qui est mort. Purée, il a trois trucs explosifs, là. Et là, on a le truc, ouais, voilà, ouais. Pauvre vache. Restez en paix. On va vous venger, vous en faites pas. On va éradiquer tous ces bots qui vous ont fait ça. Et là, voilà, il y a la ventilation, énormément. Meurs, sauté, va. Encore une zone comme ça, là, j'en entends encore un. Ouh, il est là. Au revoir. Oh, regardez-moi ces courbes là. C'est vraiment comme un tuyau quoi. Tout lisse comme ça. J'en entends rien, mais je pense qu'il est au-dessus. Il y a un coffre. Ah ouais, et il est juste au-dessus de nous là. J'ai pas trop envie de prendre le risque de. Attendez, c'est pas la dernière salle? Non, c'est pas la dernière salle. Je pense qu'on va passer par les ventilations. On va refermer derrière nous. Non, on va laisser ouvert comme ça aussi, on doit revenir. On sait qu'on est passé par là, parce que de toute façon, c'est sûr, ils peuvent pas revenir en arrière. Donc là, soit on va par là, qui nous ramène ici, ou ici, ici. Cul-de-sac par là. Ok, on voit d'autres zones là. Et là, on redescend par là. Est-ce que c'est celle qu'on vient d'arriver ou c'est les autres? Non, c'est celle qu'on vient de passer, purée. Donc, sert à quoi en fait ce truc? À moi, c'est pas pareil, faut passer par. Passer tout droit. Passer par là, ouais. Là, il y a un escalier. Ouais, là, je pense qu'on est sur bonne voie. Ouah, purée. Là aussi qu'ils optimisent le fait qu'on reste accroché sur les murs. Je suis pas sûr que descendre ici, ça soit un bon plan. On va continuer à monter. On va voir où ça nous mène. Ok, ça nous mène ici. On va continuer. Et là, ça nous on descend. Et là, on arrive, ouais, voilà, derrière la ventilation. Donc là, il y en a un. Vous nous avez vu ou pas? Donc là, il y a deuxième ventilation. Ah purée, il y en a un devant chaque ventilation, quoi. C'est quoi ce délire? Purée, j'ai fermé le truc. J'ai appuyé sur le bouton, ça. Là, il y en a encore un autre qui est juste ici. Ok. Donc là, celui qui est en face, il est mort. J'en entends plus en tout cas là. Ah si, j'en entends encore là. Donc stockage. C'est là je crois. Oui, c'est là. C'est là la fin. C'est bon, on y est. Ok, là, ça lui pue là par contre. Ok, donc on passe par ici. Y a rien en bas on dirait. Là il y a un escalier peut-être qu'on. Ouais, c'est pour monter ici. Ok, là c'est. Ok, bon voilà, on a fini du coup. Non, normalement il y en a pas là, ici. On a le coffre. Bon, on a rien d'aspect exceptionnel ici. Et normalement, de ce que j'ai pu voir. Derrière ce mur ici, là, cassé avec des explosifs, il y a un crypteur, je crois. Mais il y a quelque chose avec ce symbole-là dessus. Et c'est ça peut-être qui nous permet de pouvoir voir les connectiques, peut-être. Là, on peut rien voir du tout. Parce que là, il y a deux, il y a celui-là, il y a l'autre qui est juste à côté ici. C'est là où il y a vraiment tous les lots. Et là, ici, je crois que c'est ça, c'est. Je sais pas, ça, c'est une sorte de batterie, je sais pas, un bouclier. Ils avaient parlé de ça, ils avaient parlé d'un truc qui permet de ne pas voir les connectiques et un truc qui nous permet de pas détruire le. La construction qui est attachée dessus. On ouvre tout, on ouvre tout. Alors qu'est-ce qu'on a? Suspension off-road niveau 3. Ouais. D'accord. Un siège passager niveau 3. Bon, pas ouf. Un piston niveau 3. Batterie, machin. Et encore un piston niveau 3. Bon, bah, le seul truc qui va servir, c'est les pistons. J'aurais préféré avoir des moteurs, mais bon. Et là, on a voilà. 10 component kits. Un truc légendaire. Enfin, c'est pas légendaire, ils appellent ça épique, ça ils appellent ça rare, et ça c'est commun. Ça aurait été plutôt d'habitude, normalement ça c'est rare, épique et légendaire. Mais bon, ils ont changé la. C'est pas grave. Là on est pistons, ouais, des pistons machin. Donc voilà, donc on a les graines ici pour avoir les meilleurs spot guns. Donc c'est ouais, voilà, épique, rare et commun. Non, on a brocoli machin. C'est siège niveau 3 et deux pistons niveau 3. Ok, sympa, sympa. Et donc là, normalement, là, on peut trouver de l'ascenseur pour aller vers le toit. On va essayer de trouver. Là, il n'y a rien d'autre, là, vraiment. Non, il n'y a réellement rien d'autre. Là, le dernier ascenseur, là, c'est celui pour aller sur le toit.
Par contre, là, comment on fait pour monter? On est obligé de passer par là, obligé de descendre. Au moins qu'on peut faire ça. Ouais, voilà, bingo. Pro parcours. Je suis pas un noob, moi, à Scrap Mécanique. Okay, donc là, c'est là où on vient. Donc là, faut faire gaffe à pas mourir. Parce que là, si on meurt, j'ai plus aucune patate en réserve. Donc là, on vient de sortir. Donc, ok, donc là, c'est la suite. Donc c'est là où il y a... Bah, c'est peut-être juste là, en fait, qu'il y a l'ascenseur. Parce que ça ressemble à une salle d'ascenseur, ça. Oh! Il m'a vu. Est-ce que je l'ai eu? Oui, je l'ai eu. Et il y en avait un deuxième que je n'ai pas vu. Mais encore un. Attends. Ouh. Purée, j'ai cru qu'il n'y avait plus en avoir ces trucs-là. On entend encore un autre. Est-ce qu'on le voit là en dessous là, non? Je crois pas qu'il soit à cet étage. Attends, je l'entends. Il doit être en dessous, ouais. Ouais, il y en a toujours un qui sont dans ces rampes-là. Est-ce qu'il est juste ici? Ouais, je le vois. Faudrait que ça passe là. Oui, ça passe. Est-ce qu'il y en a encore un ou pas? Donc non, donc c'était pas juste l'élévateur qui était juste ici. Enfin, je crois que ça c'est des murs incassables, ça. C'est la partie de mur incassable. Donc en fait, c'est juste des pièces en mur incassable. On va. Et à l'intérieur, il y a juste ces blocs-là. On peut-être d'ailleurs changer justement le challenge mode. Hein, attendez, je l'ai entendu ou pas? Et qu'on puisse peut-être... Si j'arrive à parler. Et qu'on puisse peut-être faire la même chose. Là, j'en entends plus. Et c'est l'élévateur. C'est l'ascenseur. Et là, on a encore un... Je crois que c'est juste ça, une pièce qui va avec l'élévateur. Ah non, actuellement d'autres pièces. Et là, on peut aller en dessous. On peut aller en dessous, d'accord. Il n'y a rien d'intéressant. Normalement, voilà, il n'y a rien. On a déjà vu une salle à peu près pareille. Ok. Donc voilà, on a fait. J'ai fini la toute première warehouse. Là, on a un passage ici, mais je crois qu'il n'y a rien. Ça mène à rien, ce truc-là. Voilà, ça, c'est un bon coin pour se cacher. Je veux ces blocs-là. J'ai peur de rester coincé là et de devoir tout recommencer. Ok, là, normalement, on va sur le toit, on sort. Donc là, soit la solution, première solution, on va refaire tout dans le désordre, c'est-à-dire on descend tous les ascenseurs un par un. Ou alors, oula, on est entré dans une nouvelle dimension. Et voilà, et là on peut... Ah, mais de toute façon, c'est déjà ouvert. Donc là, on a tout le toit, il n'y a rien. Peut-être qu'il y aura un boss après, je sais pas. Est-ce que ces trucs-là, elles bougent ou pas? Non, c'est des trucs statiques. Parce que je sais que les portes d'ascenseur, elles bougent. Si on tape dessus. Vous voyez? Donc elles sont amovibles, quoi. Ça aussi ça bouge ça. Non, ça bouge pas, donc ça c'est juste solide. Et donc là on a beaucoup de métal, ça je veux ce métal là parce qu'il est assez enfin joli. Et puis même et puis il peut bien servir pour faire ma base parce qu'il est pas très très durable. Il y a même durabilité que le bois là, que le bois raffiné. Donc c'est juste bien pour faire une base pour pas utiliser du métal ou d'autres matériaux qui coûtent un peu cher. Un retour il faut quoi? Non. Je veux ces rampes. Donc là ici voilà ce que je vous dis, ça c'est le bloc incassable que je peux même pas enlever là. Qui fait partie du monde. Et donc là ici on a de la. Ça j'en ai ça dans mon inventaire, ça je peux. Ouh quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Que je peux. Ah là. Faudrait qu'on revienne, faudrait qu'on se fasse un véhicule volant pour qu'on aille en haut. Après je peux peut-être les jeter d'en haut du toit, non? Où est ma voiture? Juste ici. Là, je crois que c'est un peu risqué. Oui, c'est risqué. Pas un endroit un peu plus safe. Je sais pas si je peux. Ouh, non, ne tombe pas. Je peux pas aller sur le tuyau, par exemple. Non, on me dirait pas. À moins que si je peux monter sur ces trucs-là. J'ai pas envie de tomber. Hein. Est-ce que je peux fabriquer normalement? Oui, non. Voilà, donc je peux me fabriquer un truc. Peut-être directement fabriquer un truc pour aller directement là. Et donc là, en face. Voilà, là, il y a mon véhicule. Est-ce que je, par exemple, je peux jeter des trucs? Par exemple, on va jeter ça. Ok, je l'ai jeté, mais est-ce qu'il est allé en bas ou est-ce qu'il a disparu? Bon ben, oh, attendez, ben je peux faire ça plutôt. Genre je prends ça, je le mets dessus, et après je le laisse tomber, et après je le récupère en bas. Ok, donc on a assez là. Donc voilà, je peux le laisser tomber. Allez, on va. Voilà. Maintenant, comment on remonte là-dessus? Au revoir. Ok, un de moins. Purée, le bruit. Ok, hop, un deuxième de moins.
Au revoir. Allez. Au revoir. À la prochaine. Oui, purée. Allez, salut. Pff, purée, en bas, ça va être... Il y aura plein de trucs par terre. Ok. Peut-être pas le meilleur placement. Si. Ah, il tombe, il tombe, il tombe. On va essayer de tomber dessus, regardez. Est-ce que ça marche? Est-ce que je prends pas de dégâts, genre? Oh si, j'ai pris beaucoup de dégâts. Ah, et c'est bon, et j'ai survécu. Voilà, et le truc là, bling. Ah, et puis ils sont tous tombés dans les arbres. Voilà, j'espère que ça vous a plu, hein. Bien sûr, le meilleur moyen de le montrer, c'est avec un pouce bleu. Bon, dommage qu'il fait nuit, là, j'aurais bien aimé rentrer à la base avec tout le trophée, là. Surtout avec les trucs légendaires qui sont encore sur moi, là. Purée, je les entends encore, quoi. Saleté. Saleté! Je vous aurai tous, de toute façon. Bon, voilà, c'était tragique, ça, j'espère que ça vous a plu. Allez, ciao!